Hello les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui sur PES 2008 Pro Evolution Soccer. Alors pour beaucoup d'entre vous, je sais que vous aurez peut-être préféré voir une rétro toxique, avoir une rétro toxique, et bien tout simplement sur FIFA. Je sais que certainement beaucoup d'entre vous préfèrent FIFA à PES. Personnellement, je préfère FIFA à PES. Là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vous attendez à ce que je dise. Je préfère PES à FIFA, mais c'est pas le cas. Donc, appuyez sur une touche, on va mettre start. Tout simplement. Donc, PES 2008, c'est un jeu qui m'a quand même bien bercé. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une rétro toxique dessus, justement. Pourquoi pas vous proposer une petite vidéo dessus. Donc, quoi de mieux que PES 2008, qui est quand même un assez grand jeu. Et moi, en tous les cas, j'ai bien kiffé celui-là. Même si à l'époque, j'étais plus... Attends, je vais mettre extérieur. Oula, non, on va se calmer. Ouais, voilà, Guillaume, ça c'est bien. là par contre, allez, je vais me mettre ici, tu sais quoi. Par contre, type du curseur, je me demande si j'allais pas me mettre. Oulolo, on va se calmer. Putain, mais la sensibilité de la manette, elle est énorme. Oh, truc de ouf. Alors, Guillaume, oulolo. Non, mais, voilà. Nom du joueur, hein, Guillaume, nom du joueur. On va mettre ça, hein. On va laisser comme ça. Je sais pas trop ce que c'est, pourquoi j'avais mis Guillaume. Justement, que je vais laisser justement comme ça, au moins, on est certain. Alors, club. On va prendre, bah tiens, allez, la France les potos, la France, vive la France. Et on va faire contre, allez, bon, je sais que c'est pas trop, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas faire pays contre club, ça se fait rarement, mais on va se faire ça pour cette vidéo. Donc je vais prendre contre le PSG. Pourquoi le PSG? Tout simplement parce que le PSG s'est installé dans ma ville. Oui, j'habite à Rueil-Malmaison et le PSG s'est installé pas très loin de chez moi. Donc je me suis dit j'allais faire contre eux tout simplement à leur stade. On va mettre Oulala. Ah, il y a pas mal de stades quand même, les poteaux, hein. C'est pas pour faire dire, mais attends, Europe A, voilà. Attends, oulala. Europe A, qu'est-ce qu'il y a, Europe A? Est-ce qu'il y a un stade que je cherche en particulier? Le stade de France. Je sais juste pas où il est. Ok, vous savez quoi, on va mettre un stade au pif au pire des cas. On va retourner, voilà. On va aller à... Tiens, bah, San Siro, c'est bien ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça bien. Ensoleillé de préférence. Saison, été. Ça, la plage, hop, toute nue avec les filles. Donc voilà, c'est pas mal. Et le jour, forcément. Les filles, hein, dans le public, elles vont me regarder, elles vont faire... Ouais, on est avec toi, on est tous avec toi, oui. Bon, ok, je sors. Allez, on est parti. Donc, je contrôle la France contre le PSG, vous l'aurez bien compris. Donc, qui il y a dans mon équipe? Coupé, Thuram, Gallos, Sagnol, Abidal, Vieira, Makelele, Ribéry, Malouda, Sarah et Thierry Henry. Thierry Henry, c'est un classique. De l'autre côté, on a Landro. Oh oui, oh, l'équipe à l'ancienne. Ah ouais. Bourillon, Camara, Mendy, Armand, Diego, Clément. Ah oui, Rotten. Oh, Rotten, je le kiffe ce mec. Allez, on est parti, coup d'envoi. Un peu de concentration, sergent toxique. Oui, je suis concentré. Donc, on voit les compositions du Paris Saint-Germain. Et normalement, on devrait voir celui de la France. Je dis bien normalement. Bon, ils l'ont pas montré. On a San Siro, donc vous voyez que l'action est à son paroxysme. Donc, la France contre le Paris Saint-Germain. Donc, bah, c'est graphisme PS2, forcément, les amis. Donc voilà, ça reste quand même PES. Et PES, pour moi, c'est quand même un classique dans le monde du football. Voilà, pour moi, FIFA aussi, mais FIFA est mieux fait graphiquement. Après, voilà, ils ont tous les deux, PS, FIFA, ont tous les deux leurs capacités différentes, des choses qui se ressemblent ou qui changent un peu en fonction de tel et tel truc. Graphiquement, FIFA au-dessus. On est d'accord, graphiquement, FIFA est bel et bien au-dessus. Après, PES reste quand même assez... pour moi, ça reste classique quand même, un PES. Un PES, pour moi, c'est quand même quelque chose de classique. Bah déjà, parce que quand ils... FIFA, PES, on va dire que ça a plus ou moins démarré en même temps, hein, qu'on se mette bien d'accord. Mais c'est vrai que déjà, FIFA, les 2008-2009, il commençait quand même pas trop à évoluer. C'était après pareil, mais il y avait quand même des petits trucs. Je sais pas comment vous dire ça, les gars. Mais en fait, je me comprends. Des fois, je dis des trucs, il y a que moi qui comprends et vous ne comprenez pas. Du coup, des fois, quand je re-regarde mes vidéos, j'ai dit, mais putain, quel con, pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là? Enfin, bon, bref, voilà, c'est des choses. Moi-même, je me comprends. Donc, on va partir directement dans le feu de l'action. Donc, ça roule à 50 FPS. Bah, écoute, ça va. C'est bien ça, 50 FPS. Allez, on est parti, coup d'envoi.
avec Thierry Henry. Donc, alors attends que je me remémorise. Oulala, doucement, on va se calmer. Alors, oulala, ok, d'accord. Allez, tranquillement, devant, avec Abidal. Allez, Abidal. Ouh, putain, non. Allez, donne-moi. Ok, comment on fait? D'accord, donc c'est comme ça. Alors, carré, voilà. Non, non, hey, j'avais pris la balle, Mendy. T'es pas très sympa, il veut pas me laisser la prendre. Non. Ok, super. Allez, Grégory Coupé. On va l'envoyer directement là-bas avec Patrick Vieira. Patrick Vieira qui va la faire à Ribéry. Oh putain, Ribéry en plus, il a une très bonne accélération déjà. Je me souviens, à la Coupe du Monde 2006, hein, les amis. Je sais que je vais un peu loin. Mais je me souviens déjà en 2006, il avait une très très bonne accélération. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne justement dans ce PES. Quoique, je me souviens plus. Je me souviens plus. Je sais que j'ai bien joué à PES 2008 à un moment donné, mais j'étais petit. Et j'étais déjà bien meilleur que ce que je suis là. Bon, donne-moi la balle, Lindinja. Ok, super. Alors, que je me ressouvienne juste pour tirer et frapper. Car si jamais j'arrive à aller devant les buts, ce serait bien de savoir. Alors, rond. Ok, rond. C'est pour centrer, d'accord, ok. Et donc, carré, c'est pour tirer. Et donc, justement, on s'y approche de plus en plus. Allez. Non. Mais fallait laisser passer Sarah, les gars. Allez, Makelele. Non, ça. Ou Henri. Ou il a failli l'avoir. Il a failli l'essayer avec son pied. Mais bon, c'était à ça quand même. Un peu de concentration. La concentration au maximal, tu sais. Sagnol. Sagnol. Sagnol, ne le fais pas saigner, mais reste tranquille. Sagnol saigné. Oh putain, c'était nul. Hein. Oh putain, c'était vraiment pourri. Non, non. Oula, Vieira. Allez, Vieira. Allez, Patrick. Allez, Patrick Timsit. Et confiance en toi. Patrick Timsit, version Renoir. Voilà, ça donne Patrick Vieira. Bon, ok, je sors. Sauf que la différence entre Patrick Timsit et Vieira, c'est qu'il y en a un qui est footballeur et l'autre qui est humoriste et acteur, je crois. Putain, mais je me fais balader, mais je joue en légende ou quoi là? J'ai l'impression que c'est encore plus dur que FIFA 14, les gars. FIFA 15, même maintenant. Aïe 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 aïe. Allez, on récupère. Ne vous moquez pas de moi dans les commentaires. Je sais que j'ai un niveau de merde, mais voilà. J'ai jamais été très bon à FIFA, tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté les vidéos sur FIFA. Et d'ailleurs, je vais commencer les vidéos prochainement sur Counter-Strike. Donc j'espère que ça plaira à certains d'entre vous. Je ferai peut-être même des FAQ dans les jeux. Genre FAQ hashtag 1, FAQ hashtag 2 sur tel et tel jeu. Là je pense que je vais commencer la FAQ sur Counter-Strike. Et bien évidemment je reprendrai les vidéos sur GTA et tout. Parce que j'ai vu que ça vous aimez bien quand même, hein. Vous étiez pas passionné mais disons que vous accrochez. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire des vidéos justement sur ces jeux là. Oh putain, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû foncer. Bon bref. Oh mais j'ai du mal à prendre la balle. Attends, ok, donc ça. Alors les amis, j'ai eu un léger problème durant l'enregistrement de la vidéo, mais vous inquiétez pas, on reprend directement bah la victoire du PSG. Oui, ils m'ont battu, je vous spoil, mais voilà, vous inquiétez pas, je vous fais un deuxième match, cette fois-ci complet, sans problème, sauf que je vais pas le faire en facecam. Vu que j'ai débranché ma caméra et je sais plus où je l'ai foutu. Donc voilà, c'est reparti tout de suite, tout de suite. Et la victoire méritée du Paris Saint-Germain qui s'impose 1-0 contre la France. Bien joué en fou, bien joué à vous tout simplement. Félicitations, je suis vraiment content de votre performance en tant que joueur. Ça fait très plaisir. Bon, maintenant on va se faire un deuxième petit match pour la fin. Donc on va aller vers le menu principal. Qu'est-ce que je vais faire comme match? Je réfléchis. Fente, point de carte, sauvegarde, fichier option. Ah, vas-y, sauvegarde, je t'en prie, je t'en supplie. Ah bah c'est déjà fini. Ok, bah c'est cool. Plutôt rapide les temps de chargement, vous remarquerez. Hein. Donc match. Alors, exhibition comme d'habitude, voilà. Donc là on va prendre quoi? Ah bah voilà, l'Espagne. Vu que je suis espagnol. Je vais faire contre... Alors l'Algérie, mon troisième pays, il est où? Oui, donc les gens, je suis espagnol, croate et algérien. Bah, je suis pas... Concrètement, je suis pas algérien. Mais je suis algérien parce que dans ma famille, il y a beaucoup d'Algériens. Donc voilà, il n'y a pas que des Espagnols et des Croates. En gros, dans ma famille, hein, complètement, en faisant le tour de toute la famille, il y a des Espagnols, Croates, Algériens et des Russes. Voilà. Et ouais, les gars, une grande famille, quoi. Alors, on va faire contre... Oulala. Contre qui je vais bien pouvoir faire ce match? Allez, je vous propose qu'on fasse Espagne. Allez, Espagne-Portugal, il y a CR7 normalement à cette époque. Bah oui, 2008, CR7 était déjà là normalement. Donc voilà, on va se mettre comme ça. Donc ensoleillé, San Siro, on va changer. Hein. On va mettre Dell et machin. Type de ballon. Alors là, qu'est-ce qu'on va se mettre? Une balle orange, c'est pour être bien. Et donc on est parti. Ok, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud? Coup d'envoi. Bah de toute façon, c'est plus à moi qu'il faudrait poser cette question. Parce que voilà quoi. Alors, Thiago, nous... Ah ouais, Gomez, Miguel, Ricard. Ah oui, c'est vrai. Deco, Thiago, ta Deco. Oh, je le kiffais. Putain,
Xabi Alonso, ouais, il était déjà là, Xabi, à ce moment-là. Allez, on est parti, on va passer les trucs directement. On a une petite idée du stade, dans tous les cas, quoi qu'il en soit. C'est toujours ça de gagner. Fernando Torres, qui va la faire avec Villa. Allez, ça commence bien. Ah, Villa. Je l'ai toujours kiffé, ce Villa, moi. Allez, on va se calmer. J'ai dit qu'on allait se calmer. Voilà, allez, on est parti. Fernando Torres. Fernando qui y va. Et ben, il se fait stopper, Fernando. Voilà, il aura fait 2 minutes avant de se faire stopper. Je suis trop nul. Dans les jeux de foot, je suis beaucoup trop nul. Il faut que je stoppe les jeux de foot. Autant dans le foot, ça va, je me débrouille bien. Autant dans les jeux de foot, une véritable catastrophe ambulante. Ah oui, Villa. Ah oui, Villa. Pourtant, il n'y a pas Lionel Messi. Regardez quand même. Bon, ok, j'aurais jamais dû parler de Messi. Ça m'a déconcentré. Allez. Allez, Albelda. Oh non. Ah, Sergio. Sergio Ramos. Bon, il a rien foutu. Je me fais balader. Je me fais balader. Et on est reparti loin devant. Si je mets un but, hein. Je vous jure, je serais trop content de mettre un seul but. Même un mini but, hein, un but tout pourri, hein, même un penalty, moi, et je suis content. Hein. Juste un but dans PES 2008, là, tout de suite, ça serait cool. Autant quand j'étais petit, je jouais beaucoup, du coup, j'étais bon. Autant à un moment donné, j'ai longuement stompé les jeux de foot, FIFA et tout. Et j'en comprends mieux les résultats maintenant. Tu dégages. Non, mais putain, mais c'est quoi quand t'appuies pour courir, ils courent pas. Oh, mais vas-y, mais eux, ils ont grave des occasions. En même temps, je suis contre le Portugal, vous allez me dire. Portugal, une très bonne équipe. Alors, en même temps, ça peut être classico, hein. Espagne contre le Portugal. L'Espagne-Portugal, c'est côte à côte, hein. C'est près la même langue. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de mots différents, mais voilà, quoi. Je me comprends. Xabi Alonso qui la frappe. Ah non, c'est juste... Allez, on y va. On est reparti. Allez. Devant, avec Fernando Torres. Allez. Suivi avec Silva. Allez, Silva. Allez, Silva, on est parti, Silva. On est parti pour le show. On est parti. Allez, voilà, faire un centre devant avec Fernando. Eh ben non. Dommage parce que l'action était bien partie, mais manque de concentration, surtout la frappe n'était pas assez bien dosée, j'ai envie de vous dire. Je l'ai mal dosée, très mal dosée. Elle n'est pas dosée comme elle aurait dû être dosée. Ouais, ça se dit. Ouais, un peu quand même. Bon, ça c'était pas ce qui m'énervait depuis tout à l'heure. Voilà, c'est sur l'arbitre, mais non, mais pas de carton jaune. On peut s'arranger, carambar, on oublie. Je sais pas, moi, il y a toujours moyen de faire quelque chose de... Bon, bref, voilà, je me comprends, bien évidemment. Casillas, il a répondu, normal. Casillas qui était déjà là à cette époque-là. C'est vrai qu'on se rend compte que Casillas commence vraiment à vieillir, quoi. Allez, on est parti devant. Ah oui, oh non, bah non, on n'est pas parti devant, en fin de compte. C'est dommage. Sergio Ramos. Non, mais les gars, faut trouver des solutions. Faut trouver des solutions. Oh oui, la solution elle est là. David Villa avec tout simplement Fernando Torres. Fernando et le but de Fernando Torres. Excusez-moi, là fallait que je le gueule. Le but, j'ai réussi à mettre un but avec mon équipe de Kier, avec l'Espana. Aïe. Easy man. Regardez la passe directement décisif. Et là tranquille, juste à cadrer. Une belle passe loin devant. J'étais pas hors jeu, tout va bien. Juste à tirer tranquille, à ras seul. Regardez, on se voit encore une dernière fois. Excusez-moi, mais mon but, on doit passer au moins 5-6 fois. Je vous ai dit, même un but tout pourri, ça me va très bien. Regardez, juste tirer à ras seul, cadrer, pépère la famille. Et voilà, 1-0. Et là je reste comme ça jusqu'à la fin. Et j'ai gagné. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Je suis tranquille. Un deuxième but et je serai encore plus tranquille. Mais à mon avis, c'est mort, hein. Vu mon niveau, les gars. Deuxième but, même pas la peine d'y penser. Quoi qu'attendez. Ah bah non, j'ai rien dit. J'étais parti pour une idée dans ma tête. Mais elle ne marchera jamais. Pourquoi je me suis mis en... J'aurais dû me mettre en occupé par rapport à Skype, là. Parce que je sais pas si vous voyez en bas à droite, mais il s'affiche des trucs. Je pense que je vais devoir les cacher. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de les cacher. Ouais, c'est ça. Je sais comment je vais faire. En fait, je vous mettrai la pochette de PES 2008. Ou deux divers endroits où Skype est apparu en bas à droite. Comme quoi, quelqu'un est connecté, voilà. En plus, des gens, des fois, que je connais même pas. Enfin, si en général, les gens que j'ai sur Skype, je les connais quand même. Hein, parce que je prends pas n'importe qui. Même si, voilà, quoi. Après, peut-être Skype abonné, j'en avais pas là à un moment donné. Mais je suis encore pas sûr. Faut que je réfléchisse. Je sais que je l'avais ouvert à un moment donné. Et je vais voir si je vais le rouvrir justement. Faut que j'y réfléchisse tout simplement. Parce que c'est quand même une grosse décision. Oh là, c'est impardonnable ça, monsieur l'arbitre. Vous avez vu ce qu'il m'a fait?
Alors, oh oui, oh oui, oh oui là, oh oui là, oh oui là, oh oui là, oh non là, oh non là, oh non là. Ah oui, allez, non, Fernando, mais Fernando. Mais faut te prendre pour un vrai Fernando. Ah oui, ah oui, ah oui, Fernando. Fernando avec Villa, peut-être Villa. Non, 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 non. Oh putain, j'ai fait que de la merde. Bon les gars, faut essayer de revenir un petit peu, ce serait quand même pas mal. Oula. Non, ce serait peut-être quand même pas mal. Attention à Simao. Simao qui s'approche de plus en plus. Attention dans la surface de réparation. Casillas qui la récupère. Allez, on va l'ajouter loin devant avec Alebella. Je galère toujours avec son nom. Anguillo. Oula, à gauche, voilà. Non, non, non. Mais arrêtez les Renois. Allez, oh putain. Si je m'exprime mal en plus. Les Noirs, enfin les Blacks. Enfin oui, ils ont des t-shirts Blacks donc. Ouais, non. Oula, hé hey, Thiago. Attention quand même. Attends, sur la bite, c'est Thiago. Il s'est écrasé sur mon. Moi. Carton rouge. Ok. I remember your carton rouge. T'inquiète pas pour ça. I remember bien, tu vois. Je vais bien me souvenir de ton carton rouge. Je me souviendrai toute ma vie que c'est toi qui me l'a foutu. Foutu. Oh Silva. Non, 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 le but. Un partout des deux côtés. Le Portugal qui revient. Non, mais c'est horrible ça. Et c'est but de Gomez. J'aurais dû lui. Si j'avais su, j'aurais mis un carton rouge. Je l'aurais taclé si j'avais su qu'il allait mettre un but, lui. Oh là là, regardez son but. Un partout des deux côtés. Ça revient des deux côtés. Regardez-moi ça. Et oh la tête. Magnifique tête. Magnifique tête plongeante. Regardez-moi ça. Son but est encore plus classe que le mien. Je suis désolé, mais le mien, c'est de la grosse merde comparé à lui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, mais là, je suis complètement déstabilisé. Moi qui voulais au moins gagner un match. Allez, allez, Villa. Allez, Villa. Allez Villa, allez on va y aller. Allez non on n'y va pas, non peut-être. Eh ben non on n'ira pas, je voulais y aller tout seul. Je voulais faire le fifou de la vie. Mais j'y arriverai pas à aller devant. Avec Villa le retour, Silva. Non. Deco, Deco il est où? Allez Pablo, Pablo, Pablo ça me paraît bien. Non Puyol, 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 Puyol. Ah oui, ah oui, oui. Non, 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 faut pas qu'il passe les gars. Faut pas qu'il passe, faut pas qu'il passe. Voilà, non. Allez, on va la dégager, l'arbitre, le goal. Pourquoi l'arbitre? Le gardien, l'arbitre. Quoi que ça m'arrangerait tellement si l'arbitre pouvait m'aider. Oh là là, ça c'est mon rêve. Ça, ce serait mon rêve. Allez, devant. Oh putain, pourquoi j'ai fait là-bas? J'ai fait un truc, Zarbi. Donc voilà, la fin de la première mi-temps. Un partout. Oh, Cristiano Ronaldo! Oh, le pauvre! Ils l'ont fait gros. Excusez-moi, mais bon, bref. Allez, la deuxième période. Est-ce que vous êtes chaud? Et c'est parti avec Nuno Gomez qui va lancer. Et ben voilà, c'est parti. Justement, on en parle. Et il suffit qu'on en parle pour que ça vienne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ce match? Allez, on va dessus, 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 les gars. On va dessus. Voilà, c'est parti avec Pablo. Et droit devant, Fernando Torres. Allez, qui y a devant? Qui y a devant? Qui y a devant? Allez, pour devant avec David Villa. Mais elle était belle, elle était belle. Il était hors jeu. Comment ils peuvent voir ces deux? Bon, ok, un peu comme ça. Mais c'est pas beaucoup. Enfin, je veux dire, ça passait quoi. Hein? On est d'accord, les amis? Non, on est peut-être pas d'accord. Oulala, là là, on va se calmer, mais il est vénère lui. Oh, mais il y a des gens vénères dans leur équipe. Hein. Truc de fou. Hein. Allez, Xabi, Villa. Attention, Fernando Torres. Fernando Torres. Non, 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 non. Ou alors plutôt, j'aurais dû faire. Non, 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 non. Ou comme dans. C'est quoi déjà l'émission là, vous savez, avec. Comment il s'appelle? Foucon là. Même. Qui veut gagner des millions, voilà. Je sais plus c'est quoi la mélodie. Ça fait genre. Tananana. Attends, non, ça fait pas ça. Je sais plus ce que ça fait, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, on va se calmer. Ah là là, d'un coup je parle de Foucon là, faut qu'il se. On believe pas in the air, hein. On est. Not believe in the fly, hein. C'est pas parce que je parle de Foucon dans les airs que. Voilà, faut mettre des cartons, tout ça. Putain, je me prends un carton jaune. Mais il a rien fait, Fernando. En plus, il était super gentil. C'est quelqu'un de très agréable dans la vie. Je le connais pas, mais j'ai entendu dire des choses sur lui. Comme quoi, c'était vraiment une personne bien. Une personne respectable. Dans tous les termes. Des termes. Je sais même pas si ça se dit là ce que je viens de dire. Est-ce que. Bon, là, le tacle, il était régulier, on est d'accord, hein. Merci. De faire la pointe. Je sais plus sur quel. Où j'avais trouvé ce truc là, cette phrase. Pour faire la pointe. Je crois que c'était dans RATP. Enfin, la RATP, ouais. Là où, vous savez, là où il y a des bus, tout ça. Ouais, je crois que c'était là-bas. Allez, oui. Oh oui. Y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Mais y'a rien, mais y'avait rien. Rien, rien. Riz, un. Y'avait rien. Hop, riz, un. Et tu manges du riz, le riz c'est bon. Y'a un. Y'avait rien. Y'avait pas de soucis.
Et le mec, ouais, si, c'est bon, parce que le mec, il a un sifflet, il sent plus. Ah, moi, je peux faire la même, hein. Je prends un sifflet, je vais dans l'école, je siffle, et voilà, je me sens plus non plus. Hein. Oh là là là, enfin, dans un terrain de foot, quoi. Pourquoi l'école? Je sais pas. Je sais pas. Quoique, les seuls moments où il y avait des sifflets dans les écoles, c'était bah, déjà l'école élémentaire. Nous, à l'ancienne, bah, il y avait déjà les sonnettes. Et les profs aimaient bien siffler sur les élèves, au cas où ils se disent, il y en a un qui a pas entendu la sonnerie. Ça m'est déjà arrivé qu'on me siffle dessus. Je sais plus pour trop pour quelle raison. Je sais plus, hein. Allez, non. Allez, Pouyol. Pouyol, non, Pouyol, c'est pas ce que je voulais que tu fasses. C'est pas ce que j'attendais de toi. Non. Mais je leur offre des corners gratuits. Non, mais, hey, c'est pas possible, quoi. Allez, ce serait bien que je mette un but. Ce serait bien que je mette un but. Allez, allez, qui, pour qui, pour qui, pour qui, pour qui. Attention, on est parti. Et voilà, voilà, virer loin devant. Non, non, mais qu'est-ce que vous foutez? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? La question que je vous pose, qu'est-ce qu'ils foutent? Regarde, ils sont... Attends, attends, attends. Ils sont 4, 4. Il n'y a pas un rouge qui se déplace. Non, mais... Oh là 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 là. J'étais chaud au début. Non, mais là, vas-y, je suis même plus chaud. Oh là 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 là, je suis plus chaud. Je me fais laminer. Dans mes vidéos, pourquoi c'est toujours dans mes vidéos, c'est pas dans les vidéos des autres que je me fais laminer? Quand je passe sur d'autres chaînes de genre, même sur des chaînes communautaires, faut toujours que ce soit moi qui me fais humilier. C'est pas normal ça. Oh là là, en plus moi je suis un sergent. Normalement les sergents ils les respectent, là y'a plus de respect. Oh là là, pourquoi je me suis appelé sergent du coup? J'aurais dû rester comme je voulais m'appeler, sergent Bouton. J'aurais dû m'appeler sergent Bouton, pas sergent Toxique. Oh là là. Allez, on va la faire droit devant. Oula, c'est un peu trop fort, fort. En même temps, ça nous donne une touche. Moi, je refuse pas les touches, hein, pour information. Allez, on la fait droit devant. Allez, Villa. Non, 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 mais seule occasion, mais seule occasion, mais seule occasion. Mais si à l'occasion, j'ai loupé. Allez, Xabi. Ah, non, non, non. Oui, ah oui, ah oui. Allez, il suffit juste que je passe lui. Je prends la balle, je... Ok, on va arrêter de rêvasser. Ouh là 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 là, je le sens ma gueule. Je le sens même très mal. Allez, Pouyol. Je crois, vous savez quoi? Franchement, à mon avis, de moi. Oh non, mais arrête! Mais il pleure pour rien! Il est juste. Tombé. C'est vrai en plus, hein, il a rien de. Il a rien de dramatique, non. Oh oui, eh, ça a été la honte la plus totale là. S'il m'aurait mis un but comme ça, le mec. Allez, Angulo, on va retourner là-bas. Voilà pour Xavi. Xavi, attention, c'est des animaux qui viennent vers moi encore une fois. Et voilà, énorme, il me prend la balle, easy, comme d'habitude. Voilà, moi je me casse la tête à essayer de choper la balle. Et lui, tranquille, normal. D'ailleurs, si vous avez quitté cette vidéo, je pense que je comprendrai très très bien. Il n'y a pas de souci, hein, pour mon niveau très pourri. Pour la raison aussi, je vous le répète encore et encore, mais la raison principale pour laquelle je fais plus de FIFA et PES, bah, c'est bien celle-là. Voilà, hein, qu'on se les mette bien d'accord, tous ensemble. Allez, devant. Allez, oui. Allez, non. C'est mauvais signe. Ah oui. Ah oui, l'ouverture. 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 Non. Non. Je suis déter. Ah oui. Ah oui. Ah oui, le but. Le but. Le goal le plus con de la planète. Il est dans PES 2008. But de Xavi Alonso. Aïe, 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 attends, regardez-moi ça. Je sens que je vais souvent faire des passes au goal. Je sens que je vais souvent faire des passes au goal maintenant. Non, on est d'accord, regardez. Il me fait une passe, clairement. Après moi, qu'est-ce que je fais? Regardez bien ce qui s'est passé. Regardez vraiment bien. Là, il passe, regardez bien devant. Là, il me fait une passe à lui. Moi, je vais un peu plus vers la droite. Et là, je frappe parce que je suis sûr de la rentrer. Et elle rentre, voilà, résultat du match. De partout. Pas mal, hein. C'est pas mal, ça, hein. À la combien de trême, 85e minute en plus. Ça, c'est encore plus excellent que ce que je voulais. Donc, hein, ça me va très, très bien. Ouh là 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 là. Attention, le retour. Attention, retour. Je peux pas me permettre un nouveau but. Non, non, non. C'est à moi de mettre le but, les gars. Si j'arrive à mettre un but là en peu de temps, je vous jure que je serai super happy. Mais très, très, très happy. Non, 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 non. Ah oui, putain. Mais je mets 20 ans juste pour choper une balle. Alors, imagine. Imaginez, les gars. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah non. Il m'a coupé dans mon délire. Ah oui, Villa. Non, y'a rien, il est juste tombé, il est gazé la gueule, y'a plus de majeur, mais y'a rien.
Oh la jalousie, Théma. Chaque fois que je fais un truc bien, faut toujours qu'il y en a un qui me sac par derrière. Ah là 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 là. Et après, on va aussi dire que le foot est un sport agressif. Non, mais ça va pas la tête. Tu fais un truc, le mec. Ah, j'ai plus de jambes. Et après, deux minutes après, oh, il y a coup franc. Bah, ça va mieux. Je peux le frapper. Je peux le frapper, mais sur l'arbitre. Ah là là, quel dommage. Allez, on va aller aux prolongations. On fait les fifous. En même temps, j'ai envie de faire une grosse rétro toxique. Car la dernière, c'était l'épisode 25 qui était sur Crash Team Racing. Et comme ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait, je me suis dit que j'allais vous faire un gros épisode. Ça fera plaisir certainement à certains d'entre vous, voire peut-être beaucoup d'entre vous. C'est ce que j'espère par la même occasion. Je verrai bien comment. Il m'a fait peur lui. Là, tu m'as fait peur mon gars, mon petit Thiago. On passe ton action. Parce que voilà, c'est bien de regarder des actions, mais à un moment donné, quand c'est toi qui te les prends, c'est un peu dur d'encaisser quoi. Bon, c'est pas trop dur non plus, mais si un peu quand même. Moyen quoi. Pas vite fait, si un peu, faut le dire clairement, un peu. Allez, droit devant pour Xavi, tout droit avec Silva. Ouh lolo. On va se calmer, hein. On va dire, mais hein. Donc, encore un truc. Alors, Fusion a lancé son concept, donc Nostalgia. Donc, oui. Je confirme que c'est Fusion qui m'a suggéré de faire des rétro toxiques, car avant j'avais pas vraiment l'idée. Enfin, j'avais déjà un peu l'idée d'en faire bien avant au début de ma chaîne, mais j'avais un peu abandonné l'idée. Enfin, pas abandonné. Enfin, si un peu quand même, plus ou moins les amis, j'ai plus ou moins envie de vous dire ça. J'avais un peu abandonné l'idée, pas complètement, comme je vous l'ai dit, mais ça m'avait traversé l'esprit et jusqu'à ce qu'il me propose de faire justement des rétro-toxiques. Donc, qui me propose de faire des concepts. Il m'a dit pourquoi tu ferais pas des vidéos sur des jeux anciens, genre PS2, PS1 et tout. Des jeux qui ont quand même bercé nos enfances et tout, plus ou moins tous. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée. Donc, voilà, pour laquelle j'ai repris son concept. Et pour en faire vraiment quelque chose de bien. Vraiment, là encore une fois, question d'originalité. Et pour attirer plus de monde encore sur ma chaîne, j'ai demandé à Arcade Studio, un des plus grands VFX pour moi, qui est sur YouTube. Bon, même si là en ce moment il a arrêté les intros, car il avait beaucoup trop de demandes. La dernière qu'il m'a fait, c'est lui qui m'a fait l'intro avec la manette, mon intro officielle, que je ne changerai pas maintenant. Si je la change, c'est parce que quelqu'un me fera une intro aussi bien que ça, genre J3 Design. Style J3 Design ou style Monsieur le V12. Voilà, moi je suis vraiment fan, je suis un perfectionniste au niveau des intros. En revanche, au niveau des ménages, mais j'en ai rien à foutre. Mais clairement, nous les mecs, on est comme ça, les gars. On se le dise clairement. Mais voilà, tout ça pour dire que Nostalgia, oui, Fusion, donc je confirme quand tu disais que tu m'avais bel et bien proposé ça à la base. C'est toi qui me l'as proposé, moi j'ai accepté. Et voilà, depuis j'ai quand même sorti 25 épisodes, le 26e celui-là là. Donc voilà, ça fait tout simplement très plaisir. Ouais, il a fait un 360 sur lui-même juste avant. Et donc voilà, tout simplement. Donc Nostalgia, vous pouvez aussi suivre Fusion, qui donc maintenant va faire des vidéos rétro-toxiques. Enfin, oh putain, qu'est-ce que je dis moi. Des vidéos nostalgiques, des vidéos qui ont plus ou moins bercé les enfances. J'essaierai de vous faire un Call of sur PS2, faut que je voie. C'est faisable les amis, ça. Un Call of sur PS2, il me semble qu'il y en a déjà un qui est sorti. Il me semble, faut que je voie. J'essaierai de voir tous les Call of qu'il y a disponibles sur PS2. Tout récupérer pour voir si c'est exactement les... Parce que ma chaîne, comme vous le savez à la base, était principalisée sur code à mes débuts, donc j'avais pas un super niveau. Mais disons que des fois je pouvais faire quand même un bon ratio. Des bonnes petites parties, pas super excellentes non plus. Mais voilà, je me démerdais juste pour voir si PS2 et Xbox, enfin si c'est exactement les mêmes touches, ou si ça avait changé déjà à cette époque là, à ce moment là. Donc on saura ça quand je ferai une vidéo sur Call of. Oh putain, non. Oh oui. Bon, là, un peu de concentration. Allez, avec David Villa. Mais non, Fernando Torres. Fernando. Allez, Fernando avec Villa. Villa. Non. Allez, Silva. Silva devant Miguel. Miguel qui l'a fait à petit. Il est petit, mais il va se faire prendre la balle par un grand. Non, mais hé. Allez, attention. Xabi. Non, cap dunk, cap de vie machin, Xabi. Non, attention, Sergio Ramos. C'est ben non. Sergio Ramos n'a rien fait. Casillas qui était capitaine à ce moment-là. Bah oui, là le bandana, qu'est-ce que j'ai, le truc rouge là, le brassard rouge, enfin plus ou moins brassard. Non mais les gars, mais faut à un moment donné, je veux dire, mais arrête de chialer toi aussi. Ça va, monsieur l'arbitre, j'ai juste un peu fait tomber, un peu cassé. Oui, bon, ok, j'avoue, c'est normal. Tu tires quand tu veux, déco. Ça me rappelle qu'il faudrait que je refasse la déco de ma chambre. Allez. Ok, en tout cas, il a bien tiré. Déco a quand même une bonne frappe. C'est pas pour faire dire, mais
il a quand même une putain de une sacrée frappe en lui. Donc c'est quand même c'est un compliment bien évidemment. Et c'est un gros avantage des mecs comme ça. Enfin, moi c'est ce que je pense. Après chacun pense ce qu'il pense quoi, hein, tout simplement. À pas trop se chercher à se prendre la tête. Non les gars. Ok, donc c'est la fin. Maintenant on va passer au tir au but. Et on va savoir qui va y remporter ce match. Donc tir au but, c'est parti les gars. Allez, Villa en premier, sortie, commencée. Je laisse comme c'est. Allez, attention, attention, et la frappe et le but. Le but de David Villa. Donc nous, ça c'est fait. Attention, 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 attention. Tranquille, tranquille. Ok, attention. Attention, attention, la frappe et le but. La pleine lucarne de Fernando Torres. Très bien tiré, Fernando, il a quand même... Il a quand même un putain de tir ce mec. Ah oui, oh l'arrêt, oh l'arrêt. Je l'ai senti. Celle-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'elle allait vers la gauche. Et j'avais raison, attention, il bouge pas, ça passe. Ça passe. En tous les cas, les tirs sur PS sont plus simples que sur FIFA. Enfin, du moins FIFA 10 que j'ai testé dernièrement. Non, oh la barre. Poteau, pardon, mais ils sont... Ça va, pour l'instant je gagne. Allez, attention, angulo, oh, la frappe et le but. Et voilà, l'Espagne remporte ce match. Donc ok, avec la France j'ai perdu contre le PSG. En même temps PSG c'est quand même une équipe que j'aime bien. Voilà, mes deux équipes préférées c'est le Real Madrid et le PSG. Donc ça m'a pas dérangé. Et là l'Espagne-Portugal, fallait absolument que je gagne ce match vu que je suis espagnol. Et j'ai remporté le match, donc c'est le principal. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur PS 2008 vous aura bien plu. Prenez bien soin de vous, à la prochaine, salut tout le monde. Ciao ciao.